Voilà, ça enregistre. Bonjour YouTube. Bonjour Guerrier H. Bon, du coup, on fait quoi là? On est sur du quoi? On est sur du... Terraria, wouh! La motivation, les mecs! Wouh! Mais frérot, je suis trop content de découvrir ce jeu avec toi. J'adore découvrir Terraria avec toi. C'est pas comme si genre j'ai 1500 heures sur le jeu. C'est cool. Qu'est-ce que c'est 1500 heures de jeu dans une vie? Non mais oh. Oh, pas grand chose, pas grand chose. Je connais des gars, ils ont 3000 heures sur Warframe, ils prennent pas de douche. comment on renomme notre monde? J'ai pas des mondes avec des noms rigolos, je peux te donner des idées. Hein. Je crois genre j'ai un truc méga edgy, genre la péninsule des pleurs oubliées ou... Ah ouais, genre... Ah oui. J'ai la triste péninsule des rires. Beaucoup. Sa triste péninsule des rires. On dirait le nom d'une chanson de Kyo. En vrai, j'ai un truc. J'ai une idée, hein. Mais ça devient politique. Quelque chose dont j'ai envie. Et que malheureusement, c'est la fin de cette période. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Je sais que c'est le mois de la prévention du suicide. Non, ce n'est pas le suicide. C'est... Attention! Et il faut savoir aussi, chers amis, que je ne connais absolument pas Terraria. Je dois avoir à tout casser 30 heures sur le jeu, donc bon, c'est assez compliqué. Ouais, moi aussi, je connais pas beaucoup Terraria. Hein. C'est fou. Le jeu, c'est la première fois que je le lance, c'est compliqué. Hein. Ouais. Bon. On y va? Et nous voilà! Wouh! Ah oui, j'aurais peut-être dû prendre un autre personnage. Oui, ce serait mieux. Ah mince. Bon, messieurs dames, on va peut-être partir et recommencer. Bon, messieurs dames, il va falloir que je recrée un nouveau personnage. On va le créer ensemble et moi je veux du muscle. Théma les biscotto. Ah mais c'est littéralement la coupe de mon avatar. Mais c'est bon, on prend ça, voilà. Et on met en orange fluo. Oh putain, il y a quelques jours, j'ai pris un apéro, je mangeais des crackers. C'était trop bon. Tu veux nous en parler de ton expérience des crackers ou... Ah mais les crackers, c'est trop bon mec. T'as trop plein de saveurs, genre nature et puis... Nature. Ils sont tous différents, j'adore. Eh bah tant mieux. Hop, du coup c'est chapeau de roue le 2. Alors tu verras que c'est littéralement chapeau de roue, hein, mon personnage. C'est peut-être parce que je l'ai en raison... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! J'ai changé la résolution! Mais mon PC... H? Oui? J'ai fait une connerie, je crois. J'aurais pas dû cliquer comme un débile sur les résolutions comme ça, en fait. T'as un écran noir? Oui. Mon golo. Oh, le début de la vidéo qui est nul à chier. Mais, messieurs, dames, ça y est. Après moult batailles, nous avons réussi. Ça a juste pris 30 à 40 minutes, ça va. Rien de grave. Eh bien c'est parti, nous sommes à l'aventure des bûcherons. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Là, on va péter leur gueule aux arbres. En plus ça tombe bien en ce moment, c'est le Z-Events. Pour l'écologie. Donc pour l'écologie, on abat des arbres. Bravo les lesbiennes, évidemment. Bravo les lesbiennes. Je vais peut-être baisser à fond la musique, par contre. Histoire d'avoir mes musiques. J'ai baissé le son du jeu pour dire d'avoir des sons de Metal Gear au montage. Ah! Tout est rasé! C'est beau le CD-Event pour l'écologie. Hein. Ah! Un monde capitaliste comme je l'aime. Dépourvu de tout arbre. Non, mais on fait la place pour le parking. En plus, on peut faire de l'asphalte. Ah, bah écoute. Nouvel objectif de cette partie, c'est de faire un parking géant. Tu sais que c'est genre ridiculement facile en plus de faire de l'asphalte. Oh bah écoute. Oh bah écoute. Il y a moyen d'ici la fin de l'épisode, on puisse en faire. Eh bah écoute. Sans zéro van. L'objectif de cet épisode, messieurs dames, va être réalisé. Non. Bah écoute, H, on va construire une maison pour nous deux. Ça te va? Pour nous deux? Oui.
Je sais pas, enfin, je t'aime bien, mais peut-être pas comme ça, quoi. Je vais taper le slime qui est là-bas. Ouais, ouais, moi je vais partir par là, du coup. Ça marche. Ah, un arbre, il est rose celui-ci. On va le garder, en symbole de notre amitié. Amitié, voilà. Amitié. Amitié, amitié. Amitié. Ça va, bro? Et toi, bro, ça va, bro? Ah, je sais pas, je te demande, je crois que je t'ai entendu pleurer, je voulais être sûr. Non, non, t'en fais pas, c'est juste toussé, y'a pas de... Ok. Ouais, y'a pas de... Non, y'a pas de malaise, cool, rien du tout. Ouais. Ok, cool, cool. Y'a pas de soucis. Vraiment. L'épisode s'appellera Bromance et Parking. Mais putain. L'histoire de deux manias du capitalisme. Les mecs qui se rendent compte que déforester, en fait, c'est un hobby qui rapproche les gens. Les mecs qui sont en mode qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout. Ah, tu me permets que j'aille taper les slimes là-bas? Ouais, bah je vais t'aider, bon. Ah, ouais, bon, on peut t'aider, quoi. Attention avec ton épée, hein. Faut pas qu'elle se croise. Bon, regarde-moi, bro. Ouais, bro. Du coup, toi, t'as des projets, tu vas emménager quelque part Bah moi, je comptais emménager genre à 25 mètres de chez toi. Ah, jure, on sera voisins, let's go. En fait, ma maison va être au milieu du parking. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal comme projet. Ouais, je suis d'accord. D'ici quelques heures, quand on aura commencé à faire le parking, là, par contre, je vais faire un vrai truc. Je vais commencer à avoir un site industriel, je vais faire une usine. Je vais commencer aussi à avoir des employés que je vais mettre à résidence permanente dans mon usine. Oui, bah oui, bah les vrais projets, les vrais projets. Je te comprends, bien sûr. J'ai éternué, hein, excuse-moi. Ouais, j'ai entendu, t'inquiète. Un petit étang là à côté, on peut pêcher du coup. Si... Ah, ce serait bien de profiter de l'étang avant qu'on la sèche et qu'on y mette un McDonald's. Voilà. C'est quoi ces bruits? Ah, bah c'est la population autochtone. Ah, les indigènes qui, à cause de mon mode Terraria, me gueulent Among Us à la gueule. Ça doit être insane. Tu m'as dit quel est ce bruit, il y a un zombie qui m'a gueulé Among Us. Bro. Je voulais juste savoir un truc, bro. Est-ce que tu trouves que c'est cringe? Ah, mais mourir à des zombies, c'est... cringe un peu. Cringe valise même, je dirais. Lemon! Ah! Ah, t'es vraiment mort! Qu'est-ce que je m'amuse? Bonjour! Quel est votre avis sur l'importation d'un Ikea? Excusez-moi, je comprends pas le langage que vous employez. Est-ce que l'épisode va vraiment être tout un RP de droite? Ça me ferait beaucoup rire. Sache que ça me ferait beaucoup rire. Quelle indignité. Je te propose, on descende, on fasse un trou de mine quelque part. Si possible, au plein milieu d'un site archéologique. Les objets, oui. T'as volé mon argent? Non. Ça devait être le vent. C'est le prix de vent. Par contre, peut-être que t'ailles à la salle un jour. Non mais tu sais, la salle c'est juste un concept. Essaie de monter genre cette corde. J'y arrive, tu vois. J'y suis presque. Ah ouais, bon là ça va. Voilà, tu vois. Ah, j'ai un collègue qui m'appelle, je vais devoir aller le voir ce qui se passe. Pas de soucis. Ma relation avec H est assez compliquée, mais au fond, est-ce que l'amour n'est pas compliqué? Ah, ils ont raison. On a bien plus d'idées quand on est sous la douche. Ah, saloperie! Vous n'aurez pas mon argent! Million, le marchand? Quelqu'un qui s'appelle Million, je lui accorde ma confiance directement.
Personne ne doit savoir. Allô ? Oui, rebonsoir, cher collègue H. Ah, rebonsoir, cher ami. Je lui ai volé tellement d'argent, il ne s'en rend même pas compte. Qu'est-ce que tu as, cher ami ? J'ai tellement d'argent, je m'en rends même pas compte. Ah oui, ah ça c'est... H. Tu as une hirondelle sur la tête ? J'arrive pas à regarder au-dessus de moi, je ne peux pas dire, mais a priori non. Tu sais que je ne supporte pas les oiseaux et... quelconque animal. Oui, je les examine avec vous, cher ami. Depuis quand l'eau est aussi mouillée ? H ? Qu'y a-t-il, cher ami ? Est-ce que c'est toi qui as voulu me shinobiser la gueule ? Ça a été entendu, ce sera dans le montage. Hein. Et c'est ma sonnerie, je suis un homme d'affaires occupé. H. A quitté, cher ami. Ah, cher ami, c'est bon, je vous entends. Ah, très bien. Je pense que vous venez de faire un... ce qu'on appelle une descente dans la Shadow Realm. Les affaires ont été compliquées, j'ai oublié de payer mon abonnement pour l'existence. J'adore le concept de Shadow Realm, vous savez. Étant un grand fan de Naruto. Un grand fan. Votre quoi ? Non, il est quand même pas un enfant qui ne travaille pas, H. Non, bien sûr que non. Non, elle s'occupe encore de... Déjà, elle s'occupe de la maison. C'est une femme, elle fait les tâches ménagères. Ta place à la cuisine ! Cela va de soi. Beaucoup de choses vont être coupées au montage. Hein. H, est-ce que vous sauriez... D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je vous vois alors qu'au début de l'épisode, je vous tutoyais. H, est-ce que... C'est sûrement le sens des affaires qui nous fait prendre d'autres directions. Que faisons-nous ? Je me dirige vers une mine. Très bien. Je suis parti sur la droite. Et bizarrement, la droite est plus profitable. Bizarrement. H ? Cher ami. Il y a un vieil homme sale dans mon appartement. Ah, mais c'est... C'est Million. C'est Million. Ah non, c'est un T, c'est Milton. Oh, je pensais que c'était Million, c'est dommage. Vous savez, H. Oui. Des tas de choses se sont passées durant cette journée. Mais encore. Je vous ai d'abord tutoyé, puis vous voyez... Nous avons entrepris de grandes choses, telles que la construction d'une hutte, puis de deux huttes, puis un parking. Qui malheureusement n'arrivera pas à terme pour cette soirée. Puisque je vous donne rendez-vous dans un épisode 2. Du coup, il faudra continuer les persos de droite pendant tout un playthrough Terraria, au secours.